Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le troisième épisode de ma saison 3 sur Mountain Blade Warband. Et quelques petites choses à dire avant de commencer. Et ben, la dernière fois on avait récupéré le château de Kulmar, en tout cas on avait vaincu ceux qui s'y trouvaient. Et on l'avait chopé, sauf que pas vraiment en fait. Je me suis souvenu d'un truc entre les deux épisodes. C'est que, en attendant, le château est à nous, en attendant que le roi Gravette il file le fief à quelqu'un. Sauf que c'est pas forcément sur nous que ça va tomber. Du coup, laisser toutes les unités là-bas, c'était peut-être une connerie. Parce que le mec qui va récupérer le château, il va aussi récupérer mes unités. Du coup, je pense qu'on va faire un petit tour là-bas. Ah merde, Royaume des Rodoks et Royaume des Nords ont fait la paix. Et j'ai obtenu le droit de régner, what the fuck. Droit à régner 18. Ok, d'accord. Le truc, c'est que le roi Gravette, il m'a toujours pas filé il a toujours pas filé de fief. Du coup, j'ai envie de dire dans le doute, on va les récupérer, hein. On va récupérer les... Ok, je vais récupérer quelques-uns. On peut même... Ah, j'allais dire qu'on pouvait tous les récupérer, mais en fait non. De toute façon, on n'est plus en guerre. Voilà, ça y est, capacité du groupe atteinte. C'est pas très grave. Ces unités-là, je préfère à la limite qu'on les mette dans notre gros fief, le vrai, l'unique, celui d'Almar. Bon, c'est pas à côté, mais voilà. Oh la vache, les inculpations pour trahison dans tous les sens. Où est-ce que je suis? Et pourquoi je vais là? On va y passer du côté de Veluca. Kargit, Kanakt et Royaume de Vaizir sont en guerre. Ce qui est une bonne nouvelle. Pour nous, bien sûr. Un rançonneur. Non. Ah, du coup, d'ailleurs, il s'est barré, le mec que j'avais. Bon, c'est pas grave. Hein. Y a quoi? Et oh. Voyageur, Barnoman, ok, y a rien. On va aller voir du côté d'Almar. Alors. D'accord. Je suis Ratnia, votre victoire en pied. Ok. Je ne peux répondre favorablement parce que vous donnez. D'accord, voilà. Donc j'ai eu la chance. J'ai eu une écrue en récupérant les unités parce que là, il vient de me dire que. Bah le château, tu l'as dans l'os, hein. Je te paye 900 deniers, ce qui est pas beaucoup en fait, et je récupère le château. Le petit enculé, le petit salopio. Voilà. Alors, du coup, je me dis... Ah, il y a un tournoi. C'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Moi je dis banco. Ah oui, sauf si on nous file des armes de merde pour... Ah mais t'es sérieux? Petit couteau, tout ça? C'est pas sympa quand même, parce que... On a clairement pas le même... les mêmes armes. En plus, je vise beaucoup moins bien. Que je vise des bleus là parce que... Ah non, ça c'est avec moi. Voilà. Bouge pas, c'est très bien comme ça.
C'est win? C'est win, ok. Ah non, mais arrêtez de me filer ces armes-là. Oh. Ah d'accord, j'ai fait un tir à la tête au cheval. C'est pas exactement ça que je visais, moi, en fait. Oups. Toucher un allié. Oh là là, je sais pas viser. Voilà. Bouge pas. Non mais... Voilà. Voilà, c'est bon. Alors s'il vous plaît, filez-moi des armes au corps à corps pour la suite. Des... Quoi? Des lances. Ça aurait pu être un peu plus sympa parce que là... C'est tellement nul comme arme. Surtout des lances sur un cheval. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Allez, viens, prends ça. Aïe. Ah oui, mais il fait très mal en plus, lui. J'ai quoi d'autre? J'ai rien d'autre comme arme? On va s'amuser. Mais comment ça se fait que tu peux pas tirer vraiment derrière toi? Oh, je l'ai eu. Oh, c'est quoi ces armes? Touch. Aïe. Allez, pousse-toi. Voilà, c'est bon. Alors vous, le duel au sommet des titans là. Voilà. Voilà. Il doit en rester un. Ah non. Oh la lance, qu'est-ce que j'aime pas ça. Non. Voilà, c'est exactement pour ça que j'aime pas ça. C'est que la lance, c'est trop random. Dégâts infligés avec la lance couchée, je fais un point de dégâts. Va falloir m'expliquer. Voilà, 36. Qu'est-ce que... Allez, vas-y, attaque. Non. Bon, là, je suis en train de subir des points de dégâts comme un con. Tut, tut, on recule. Voilà. Ça fait mal, mais... C'est tellement... casse-pied à mettre un coup. Alors, allez, viens là.
Voilà, 96 points de dégâts. Tu peux que ne te. Enfin, tu peux que te faire one shot avec cette arme là. Le truc c'est que bon, il faut arriver à bien la placer. Oh non! Ils se foutent de ma gueule. Oh! Je l'ai mis. Pas dans la tête, mais c'était pas loin. 27 points de dégâts. Ah oui, le mec il a pas dû apprécier. Touché. T'es pas encore mort? Ah bah voilà. Eh, c'est qui le beau gosse des armes de jet? Hein? Et bim, plein de sous-sous. Cherisbourg, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah oui, un poste de messager ou une tour de prisonnier. Y'a quoi comme garnison? Juste regarder. Il y a 193. L'idéal, ce serait qu'il y en ait un peu plus, genre 250-300. Donc on va en poser quelques-uns. Ah non, mais non. Pourquoi j'ai dit prendre? Où sont mes sergents Rodoc? Déjà, je peux améliorer des troupes. Sergent Rodoc, comment poser? Les cavaliers en défense, ça sert pas à grand chose. Toc, je pose des unités. Donc on va essayer de descendre à 75 de notre côté. Je pense que 75 c'est un bon chiffre. Ça sera suffisant pour gérer avec la plupart des paquets d'ennemis possibles. Par contre, on va garder la cavalerie. J'ai que des lanciers, hein. Disons que pas forcément les unités les meilleures. On va poser quelques lanciers Rodoc. Voilà, c'est bon. J'ai envie de construire des trucs. Ça va être un peu long, du coup on va le construire maintenant. Ok, donc là on est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, étant donné que... donc Royaume des Rodoc, c'est bienveillant. Non, c'est dans les notes. Faction. Non, pas Royaume des Nords, Royaume des Rodoc. On n'a aucun problème particulier. Je suis curieux de voir. Ouais, Royaume de Sodia a été vaincu. Ouais, donc... j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal gagné contre le Royaume des Nords. Par contre, eux, ils vont être galères à choper. Faudrait qu'on s'occupe des jaunes, en fait. On récupère ce château-là, on est nickel. Ensuite, il va falloir récupérer genre Nara et le château de Nune. Et après, ils vont galérer hein, parce qu'ils vont se faire attaquer dans tous les sens. Du coup, je sais pas trop quoi faire en attendant. On va voir si on peut pas faire une mission à Almar. Se rendre. Non, c'est pas se rendre à la place du marché. C'est se promener dans les rues. Y aurait-il une mission pour moi? Sachant que je ne sais pas où est le maire, je crois que c'est toi. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'on peut acheter dans ce bourg des... On peut faire des trucs. Faudrait que je le fasse un jour. Du bétail. Amener du bétail, non, c'est chiant. D'accord. On a la pire. C'est quand même le pire endroit d'après ce que j'ai compris là. On est dans la pire ville de tout Kaldaria, ce qui est pas génial. D'accord.
Ok, d'accord. Une entreprise de production, qu'est-ce qu'ils vendent ici? Alors. D'accord, ils vendent de la laine essentiellement. Ok. Si on évalue les prix de la région. Après, je crois que le truc de commerce, c'est... D'accord. Si on fait de la céréale ici. Donc si on fait de la céréale ici, on pourrait le vendre à Jelkala en le vendant 17 de plus. Alors attendez, on va peut-être essayer de faire un truc. Ah, piège. C'est un groupe de bandits. Ah, quand même. Le mec était un peu nul. Hein. Ah, il en reste un. C'est pas visé. Sont très très nuls. Alors attendez, faut que j'aille à Almar. Donc. Alors. Ah d'accord. Donc en fait, on peut pas créer des matières premières, il faut aller les acheter et créer des armes, enfin créer des nouveaux trucs en utilisant les ateliers en fait. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Que, attendez. J'avais demandé quoi, impresseur à huile? Pourquoi il me parle de bière? Bon, faudra que je me renseigne. Je me renseignerai sur ça pour le prochain épisode parce que là, je comprends pas trop. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a pas 36 choses à faire. J'ai quoi comme fief? Almar, j'ai des taxes, Emirim, Pagundur et Tatsamesh. Emirim, c'est là, c'est pas à côté quand même. On va aller voir ce qui se passe. Hein. Alors, il y a regroupement au château de machin, au château de Nuzdak, comme toujours. Je sais pas pourquoi c'est toujours là-bas. On va peut-être y aller, hein, même si on n'est pas en guerre, c'est pas très important. Rejoindre le banquet. Il n'y a personne. Ah si. Ils ont quand même de ces noms. D'accord. Ok. Toi, qu'est-ce que tu veux? D'accord. C'était la danse que je draguais. Ok. Bon, bah, en fait, ça servait à rien. Comme toujours. Comme toujours, comme toujours. Là, je sais pas quoi faire en attendant qu'il y ait une autre guerre qui se déclare. Si. Je crois que je sais quoi faire. Ça va être un peu la galère. Je sais ce qu'on va faire. On va essayer de récupérer quelques unités un peu partout. Pour remonter à 100. On va passer du côté des Mérimes. Alors, des recrues volontaires.
D'accord. Le domaine, ça risque d'être un peu long. Oh, ça coûte super cher. L'école coûte quand même plus cher que le domaine, hein, ce qui est pas mal. Ça fait un peu mal. J'ai plutôt que quoi? La tour de guet, c'est bien la tour de guet. On va aller dans les montagnes. Parce que dans les montagnes, il y a toujours plein. On va aller du côté de Pagundor en fait. On va aller dans les montagnes. Ah! Non, c'est Sultanat des Saranides contre le Royaume des Nords. On va aller dans les montagnes parce que. Dans les montagnes, il y a toujours plein de bandits. Et les bandits, c'est bien pour XP. Alors, construction d'école achevée dans 17 jours. Alors, il y a plein de bandits des montagnes dans tous les sens, là. Il y en a un groupe de 53 que je vais aller choper. Et bim! 88 contre 53. Bon. Oh la vache! Tous les cavaliers qu'on a. Ah non, c'est pratique, hein. Là, soit dit, ils nous ont laissé un... Un bon héritage. Bon, par contre, faut que j'arrive à taper quand même. C'est toujours la galère. C'est tellement pas ordonné. Alors, ah oui, quand même. Aïe! Voilà. Oh la vache! Oh, qu'est-ce qu'ils se font défoncer? Mort de rire, un blessé, un seul blessé contre tout ça. Ah non, mais ça fait tellement mal. Ça fait très très mal. Y'a rien d'intéressant en fait là. On récupère quelques deniers, mais c'est surtout pour l'XP que c'est intéressant en fait. Parce que l'XP, ça aide pas mal à monter. Oh, le coup hebdomadaire. Aïe. Aïe, ça coûte. Aïe, ça coûte basse bonbon. Ah ouais, d'accord. Ça coûte un peu. Alors... Cachette de bandits des montagnes. Ah ah! Ah, puis il y a des bandits des montagnes à côté. Il y en a un bon gros groupe. 90 contre 44. Alors, je pensais qu'il y aurait eu un regroupement. Il y avait pas mal de paquets de bandits des montagnes. Je pensais qu'il y aurait. Ils se viendraient en renfort les uns les autres. Ça ferait une baston épique. Mais non. Ah ouais, c'est quand même la classe. Non, par contre, faut vraiment arrêter de passer devant moi. Allez. Ok, la suite est là. Bim. Oh non. Ils m'ont tué un cavalier mercenaire. Quand même, ils ont osé tuer une de mes unités. Aïe.
Il en reste un. Non. Bon, bah on a eu quand même un mort. C'est pas très grave, mais c'est pas sympa quand même. Quelques deniers. Alors là, il y a une cachette de bandits des montagnes. J'ai envie de dire, ça va être le lol. Ils sont combien? Ils sont 11. Je peux les gérer tranquille. Ah, il y a tous mes héros avec moi là. Ouais, c'est ça. Bim. Oh, c'est moi qui les tue tous, ou presque. Tiens, faudrait que je regarde à combien je suis du prochain niveau. Non mais je suis mais immortel, je suis un monstre. Et c'est mort. Ah mais c'est des pilleurs, c'est même pas des... C'est même pas des vrais bandits. Il en reste encore? Ah il en reste encore. Ah, c'est même un paquet. Oh la vache. Laissez-les moi. Attendez, il y en a un qui galère là. Il reste encore? Voilà, c'est bon. D'accord, et du butin. Ah ah. Ça se vend bien cher. On les vendra plus tard. Ah, il y a des fruits. Bim. Voilà. Pas mal d'unités. Oh la vache, le coup hebdomadaire. Le coup hebdomadaire qui est immense. 58. Je m'en occuperai bien. Ça va aller vite. Ça peut être d'XP. Ah oui, en plus c'est une plaine. Allez, Tagadak. 36 contre 27. Allez, non, c'est pratique les tactiques. Hein. C'est très pratique. Ah non! Alors ça, par contre, ça l'est beaucoup moins. Oh la vache. Ils sont dans un sale endroit. Hein. Bon, d'ailleurs, moi, je vais commencer à avancer parce que... Wow. Ne me popez pas sur la figure non plus. C'est quand même assez peu appréciable. Ah, ils m'en veulent, hein. Ah là là. Non mais ils se font défoncer. J'en ai pas tué beaucoup là cette fois. Ils se sont fait déchirer.
Hop, quelques deniers. Plein d'XP. Alors, je vais juste passer à Veluca. En fait, ça vaut rien. J'ai encore plein de céréales, c'est nickel. Juste regarder un petit peu les upgrades encore. Les hommes d'armes soignants, c'est à quelle tête? Ah, c'est la cavalerie. Les chevaliers soignants. Ah oui, c'est fort en fait, vu le niveau. Chevalier soignant, c'est niveau 28. Ah ouais, sa mère. Ah d'accord. Je suis curieux de voir où est-ce que j'en suis, moi. Oh, il me manque encore plein d'XP. Donc encore 4000. Je peux encore arriver. Ok. Que dire d'autre? Bah, pas grand chose. Je pense qu'on va arrêter là l'épisode pour aujourd'hui. Bah voilà, on n'a pas beaucoup avancé du fait que bah y ait une trêve entre les deux. Entre nos deux pays. Bon, je pense qu'une guerre va bientôt se redéclarer, hein, vous inquiétez pas. On va pouvoir se remettre en chasse. Normalement, ça devrait aller. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.